Alors, je m'appelle Mathieu Margot, j'ai écrit un livre, je suis auteur, qui s'appelle Comment changer votre vie. Et je suis aussi conférencier, je donne des séminaires sur comment prendre le pouvoir de sa vie et la conduite du changement. Et en parallèle de ça, j'ai un business qui est du bilan de compétences, bilan différent, inspirant et pas chiant, parce que le bilan de compétences en France, c'est assez chiant. Et moi, je pars à l'inverse, en fait, je construis d'abord la stratégie de vie des gens et après, on revient pour construire le pro par rapport à cette stratégie de vie. Je dirais. Intimité quand même s'il y a effectivement 650, 700 participants en présentiel, je sais plus. Je trouve que c'est quand même vachement accessible d'aller vers les gens et puis le séminaire est aussi organisé pour ça. Ouais, les conférenciers, ouais, si, il y a des conférenciers qui m'ont marqué, Michel Poulert, Pierre David, et puis effectivement les rencontres humaines. Ça fait vraiment la différence parce que moi j'ai connecté avec énormément de belles personnes là et ça fait plaisir. Se former, c'est important si tu veux continuer de grandir. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui m'anime, c'est si tu t'arrêtes, tu recules en fait, parce que le monde, il continue d'avancer et il t'attend pas pour avancer. Donc, si tu te formes pas, ben, en fait, tu vas régresser et au bout d'un moment, tu vas être dépassé. Si tu es dépassé, ben, dans le business, c'est fichu. Des contacts, ouais. J'ai pris énormément de contacts avec des gens qui vont pouvoir m'aider à développer ben, moi, mon business, mon support, mon image, que ce soit des podcasts, des interviews. Et puis même dans mon bilan, parce qu'apparemment, voilà, il y a des gens qui ont une activité similaire à la mienne et qui je vais potentiellement pouvoir créer des partenariats. Donc, super. Moi, je dirais le pragmatisme. C'est vraiment quelque chose chez lui qui m'inspire. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, je suis très chiffre aussi. Et j'aime bien cette notion de précision, tu vois, d'aspect carré, où en fait, avec Maxence, tu sais où tu vas. Ah, vous êtes fou. Ah, vous êtes fou, faut se lancer. Les séminaires, moi je suis le premier à être réticent à aller au séminaire parce qu'on est tous pris par notre vie, on a tous des trucs à droite à gauche, on se dit oh, allez, un séminaire, encore un. Et au final, à chaque fois, systématiquement, il y a un truc que tu vas retenir, une rencontre, un intervenant, un déclic, enfin tout. Donc allez-y, à chaque fois.